tu ramènes des devoirs. Non. Tiens, la Mercedes ah, de ma patronne. Ah, c'est ta prof. Ouais, regarde la Mercedes de ma... Ça va, cool. Elle. C'est ma patronne, un peu ma prof. Ta prof, elle a une Peugeot jaunée. Et bonjour à tous, aujourd'hui... Mais dis donc, ça gagne bien chez Forum. Ah oui, oui, ouais, chez Forum, ça gagne bien. Ouais, tout, et bien aujourd'hui, nous nous retrouvons en 1988. Et aujourd'hui, nous sommes... Enfin, je suis retourné dans le passé, et puis aujourd'hui, on se retrouve avec une mamie. Donc forcément, dans 88, elle est beaucoup plus jeune qu'est-ce qu'on voit habituellement, n'est-ce pas, mamie? Elle n'a pas l'habitude qu'on l'appelle mamie, parce qu'en 88, bah, j'existe pas techniquement, donc voilà, elle est plus maman que mamie, n'est-ce pas? Voilà. Mais qui êtes-vous? Je suis Karine. Ah, et qui es-tu? Je suis... ta marraine. Ah, tu es ma marraine. Ah, donc on est toujours en 2022, en fait. Accessoirement ta tata. Ouais, oui, accessoirement. Tu es donc un accessoire. Une chose. Donc nous sommes toujours en 2022 en fait. Oui. Mais donc je raconte des conneries en fait. On n'est pas. Ouais, donc vous n'êtes pas mamie. Alors très bien. Vous êtes donc Karine la doyenne que l'on voit très régulièrement. Comment allez-vous? Vous allez bien aujourd'hui? Oui, ça va. C'est pas mamie qui est venue me voir aujourd'hui? Non. Elle est allée au Leclerc faire ses conneries? Non, elle est à la maison, elle fait sa soupe. Elle fait ses soupes? Elle fait ses soupes. Non, parce que ce matin, elle me disait que en venant me chercher à lire au Leclerc faire un truc, je sais plus quoi. Ah, bah, je sais pas. Voilà, oublié. Je pense. Est-ce surprenant? Qu'est-ce ton piège? Qu'est-ce ton piège? Est-ce surprenant que mamie oublie? Ah. Je pensais que tu voulais pas me répondre. Non, je regarde la route entre deux quand même. Ah, oui, c'est important. Et la route qui est dans un état magnifique. Franchement, on ne pourrait pas faire mieux. Voilà, je le montre au monde entier. Au monde entier, il n'y a que 10 personnes qui regardent ces vidéos, mais il ne faut pas le dire. Ouais, t'as vu ta prof? Oui. Elle est arrivée à 5h. Hein. Je me suis dit, bon, elle va venir ou quoi? Elle est à 5h. En même temps, elle venait de Rugles. Donc, l'autre bout du département, accessoirement. Donc, elle venait de Blanc. Avec elle était allée voir Benjamin, tiens. Oui, le parising. Je sais que tu me regardes, petit con là. Hein. Eh ben, dis-toi, après toi, la prof est venue me voir moi et elle s'est foutue de ta gueule. Figure-toi. La prof, elle s'est foutue de la gueule de Benjamin. Ouais, je reviens de Benjamin, putain, il a rien foutu pour son animation. Voilà, voilà, Benjamin, c'est cadeau pour toi. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. Voilà. Ouais. Ça me surprend pas tant que ça, mais... Benjamin, il s'en fout. Benjamin, il s'en fout un peu, hein, je pense, de son avenir. Enfin, il me le dit lui-même, il n'a pas d'avenir, donc... Ah. En même temps, s'il fait rien pour... S'il fait rien pour, oui. C'est un peu logique. C'est un parisien du 14e. Parigo. T'aimes bien les Parigo? Qu'est-ce que t'aimes? Ah oui, quand ils restent chez eux. Et quand ils viennent chez nous, tu les aimes bien? No comment. Ah, c'est plutôt pas mal. Ah, un N à l'envers, ça veut dire qu'on va faire des cascades. Ouais. Incroyable. Ouais. Donc. Feuille de route vers le baccalauréat. Parce qu'elle a raconté le route après. Des conneries. Non, je rigole. Non, on m'a raconté ce qu'il fallait faire pour le bac, etc. Voilà. Ça t'intéresse? Parce que moi. Parce que moi, ma. Elle ouais. Enfin, ma. Ouais. Enfin, disons qu'elle répète souvent les mêmes choses. Mais disons mais ça, que. Ça, c'est pour être sûr que tu assimiles bien. Bah, justement, c'est ce que disait la patronne qui était là aussi. Elle disait oui, mais plus on répète, plus on oublie. Elle a raison en plus. Là, c'est ça le pire. Parce que, bon, ce qu'elle me raconte, moi, j'oublie au bout de 5 minutes. Mais, genre, elle me parlait de la règle des 4 P. Alors, je connais la règle des 3 P, mais ça, c'est sur ma chaîne YouTube, donc ça n'a strictement rien à voir. En plus, les 3 P, il y en a 3 types. Il y en a 3 différents. Alors, c'est déjà le bordel. La règle des 4 P. C'est quoi? Alors, 4 P. Non, c'est 4 mots anglais. Ah, oui, d'accord.
On est en France, hein, pourtant. Ouais, ouais, t'as vu. Alors, on les traduit en français par produit, prix. Alors, il y a un ordre, mais l'ordre, on s'en fout parce que communication. Ah oui, c'est vachement épais, ça. Ouais. Et j'oublie le dernier. Mais je sais plus c'était quoi. Bon, c'est une autre connerie, mais ouais, mais c'est pas. Il y en a deux sur quatre qui commencent par vraiment par P, quoi. L'un c'est communication et l'autre c'est encore un autre mot, mais c'est ça commence pas par P déjà. Ah, voilà. Et puis en anglais ça fait product, price, promotion. Et voilà. Et j'ai encore oublié le dernier. J'ai récupéré 3 P. Mais voilà. Et ça me servira jamais à rien, donc que tu te dises. La prof arrête pas de me dire ça, faut que tu retiennes, ça va te servir à gagner. Non madame. Non. Enfin, je dis pas non parce que sinon ça va la saouler, mais. Tu vois. Te garde pas un pétasse. Ça c'est un autre P. Eh putain, pour que je couche la croix, c'est elle qui va se garer, je te le dis. Ouais. Donc mamie n'est pas la seule à insulter les gens, visiblement. Toi, ça rajoute un P, donc on est sur la règle des 5 P maintenant. Hein, voilà. Il y aurait bien 6e P, mais c'est trop mal poli. D'accord. Eh bien, je ne vais même pas chercher. Voilà. Et du coup, bah, on pourrait potentiellement faire la... s'il y avait une règle des 4 C, ça se deviendrait 6 C. Parce que mamie, elle aime bien insulter les gens de connard et de connasse, tu vois. On l'a vu dans les précédents épisodes. Dans l'épisode précédent. On est tous mal polis, voilà. Je vois pas de quoi tu parles, c'est pas comme si j'ai insulté le gros fils de chien ou tout ce qui est passé. Que tu parles, encore c'est gentil. Mais ouais. Rue du coq. Non. J'aime bien parce que mamie, une fois elle était là à l'entrée de la maison, elle a quelqu'un passé devant, elle a insulté de canard. Ensuite, l'autre fois, bah, t'étais là, on était dans le Neubourg, il y a un mec qui passait vite, elle a insulté de l'autre connard encore. Hein, voilà, j'ai l'extrait. Ensuite, elle s'est auto-insultée de connasse, après avoir mal fermé le coffre de cette voiture bleue ici présente, magnifique, formidable. Voilà. Ah oui, en fait, anecdote de merde, parce que je voulais te le partager, c'est important. Aujourd'hui, j'ai mis un fauteuil de. Des fauteuils de plage, d'été, tout ce que je veux dire. Voilà. Et comment dire? J'ai dû aider la cliente à la ranger dans sa voiture. Voiture qui est une... T'as fait de la manite ? Non. Elle était déjà complète, hein, le siège. Voiture qui est une Audi A5. Mm-hmm. Voilà. Toi, ce genre de bagnole où le coffre est beaucoup trop petit, bien serré, bien chiant. Voilà. Donc du coup, bah, ça va, on n'a pas trop galéré. Voilà. C'était la chute, incroyable. Ça aurait pu être galère. Mais la madame a eu le réflexe de baisser les sièges. J'ai pas de sacoche en moi, j'ai un peu con. Tiens, il y a un fil orphelin là, qui est là. T'as qui ? Ah oui, t'as sa poche ? La maison, t'as pour prise. Je vais voir mamie, je vais faire. Alors, ça va ou quoi depuis avant-hier ? Me faire avant-hier. Et puis, hein. Ta machine de manger, elle est. Ma machine de manger. Je glisse. Allez, bonne soirée, mamie Karine. Ah, c'est le taxi de mamie, mais conduit par Karine, hein, qui le crut. Ah, attends, je prends mon sac. Avance-toi tout de suite. Eh, mamie, elle est en grève en fait. Elle fait pas son taxi, elle est en grève. Ah, là, tu peux avancer. Ouais. Oh, grand perdu. Incroyable. La sortie exceptionnelle du camion national. Voilà. C'est un camping-car. Eh bien, voilà, nous sommes arrivés à la maison. C'était l'épisode 31. J'espère que ça vous a plu. C'est quelle est la grand-mère? Regarde-la. Regarde-la. Regardez-la. Regardez-la. Alors, t'es en grève ou c'est quoi? Je viens juste de me mettre dans le canapé. Je viens de finir ma popote. Ah, t'as fini ta soupe? Ouais. Ta popote? Parce que, non, mais à la base, je dis ça parce que c'est le taxi de mamie à la base, c'est Karine qui conduit. Bah oui, tu t'es fait avoir. Du coup, j'ai cru que je t'ai retourné dans le passé et que t'avais ultra rajeuni. Non, c'est Karine. Oh. Vous savez quoi? Eh ben, vous allez faire l'outro, tiens.
qu'on la pète. Vous allez faire l'outro. L'outro, c'est merci d'avoir regardé, abonnez-vous, salut, décassez-vous, allez faire autre chose que regarder mes vidéos de merde. Alors, t'as pas ta journée? D'accord, donc là, tu m'as foutu un vent, du coup, je meurs. Attends, ça va deux minutes, j'arrête, je reviens, je suis derrière. Ouais. Ta journée s'est bien passée? Oui, ma prof, elle est venue. Ah, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Des conneries, non, je gueule. Pas. Non, non, en vrai, non, ma petite connerie, elle m'a juste répété les choses que je suis pas foutu de retenir. Comme d'hab. Et bon, surtout, j'ai été évalué. Ah. Oui, on a la moitié du stage, l'évaluation c'est maintenant. Hein. C'est. Faut pas chercher à comprendre. Non, cherche pas à comprendre, ils sont déboussolés. Ils sont déboussolés. Oui, ils sont déboussolés, je sais. Alors, pour tes cheveux, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Je suis arrivé, elles ont fait waouh. C'est pas si longtemps. Ouais, toi par contre, t'es déjà comme ça. Je suis cassé. Tes cheveux, ils sont bizarres comme ça. Moi, j'ai les cheveux un peu tard, j'ai pas rien à faire. T'as pas changé. Bon, du coup, mamie, vous faites l'outro. Ouais. Vous dites aux gens merci de regarder la vidéo, abonnez-vous, Vous terminez. Moi, je dis rien, moi. Si, tu termines la vidéo. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Bah, je sais pas. Au revoir, merci d'avoir regardé, abonnez-vous. Une outro, quoi. Au revoir, messieurs, mesdames. Je sais pas si c'est des dames et des messieurs. Mais c'est les deux. Passez une bonne soirée. Merci de regarder le. On croirait que tu lis un texte, mais non, c'est pas le même. Hein? De regarder la vidéo. Voilà. Voilà. Bonne soirée. Abonnez-vous, c'est gratuit, tu fais cliquer. Vincent, voilà. Merci. Allez voir les 30 précédents épisodes avec mamie. Non, faut pas. faut pas aller voir. Surtout. Faut pas aller voir tes vidéos? Non. Ok. C'est marrant parce que je parlais d'anecdotes, je disais aux gens d'aller voir les vidéos, t'insultais les gens de connard, mais. Oh, quelle vulgarité! Oh mon dieu! La Karine a insulté quelqu'un de pétasse à l'instant. Ah, tu vois, il y en a partout des pétasses. Hein. T'es pas la seule à insulter les gens. Il n'y a pas que moi. Ouais. Tu fais des bêtises encore? C'est un pion qui est passé devant nous et qui est roulé comme un taré, voilà. Un pion? On était sur la route, il y a un con qui passait. Voilà. Bah, de toute façon, tu verras la vidéo. Oui, parce que toi, forcément, t'as filmé Canette. Ah, oui, Canette, regarde, en plus, elle est là. Ouais. T'as été surpris quand t'as vu qui était au volant? Ouais, je me suis cru dans le passé que t'avais super rajeuni et tout. Qui c'est qu'il est là? Un bichon. Elle va un petit peu mieux, là, tantôt. Vous êtes plus, c'est égal. Ah, Eva en peinture. Demain, voilà. Je vais pouvoir la laver. Ça vous plaît? Comment allez-vous? Ok. T'as une sale gueule? Non, t'as pas une sale gueule? T'es lavé? Brigitte Macron, pieds nus dans un couloir avec son mari. Ce cliché très inattendu avant un dîner officiel. C'est quoi toutes ces bêtises? Qu'est-ce qu'ils font pour ces deux pétards? La gueule de la vieille. Est-ce que vous comptez voter pour Emmanuel Macron? Bernadette Chirac, sa fille Claude, donne des nouvelles sur son état de santé. Elle est toujours avec nous, la petite mère. Oui. Oui. Que penses-tu de Brigitte Macron? Rien qui peut aller. Rien qui peut aller. C'est une sale femme. Écoutez, ça fait déjà deux minutes que l'outro a été faite, donc je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. C'est une sale femme. Et pendant que mamie insulte Brigitte Macron et que Karine court partout, eh bien, je vous dis au revoir. Brigitte Macron, Brigitte Macron, ah, si tu pouvais partir une bonne saison. Je vais manger ton saucisson. Super mamie, très original. T'es tellement belle avec ta tête. Regarde, de con. Et t'es vide alors que t'as un petit jeune, c'est une honte. Et alors si ça passe, tu l'effaces parce que ça, on peut avoir un procès avec ça. Non. Si. Non. Karine, on n'a pas le droit de faire ça. Bah non. Et pourquoi tout le monde le fait? Non, mais nous, mais c'est les gens de la politique, mais pas nous. Eh, tu dis des conneries, tu assumes. Non, fais pas de bêtises, parce que je n'ai pas eu de marquer mon trou. C'était la musique. En vrai, la musique que tu viens de faire, tu peux faire un album avec. Hein. Oui, mais efface les paroles. Parce qu'on peut s'en trouver. Non, on n'a pas le droit. Ah, Brigitte. Ah, mais elle veut pas ce qu'on veut avec les gros riches. Brigitte, elle va arriver à faire. Ah là là. C'est la 1500e personne qui me traite de connasse. On va aller faire un procès. Je ne ferai pas ça. On va le faire, mais elle est bizarre. Bon, elle est bien. Vieille. Ça veut rien dire vieille. Bye.
Bye. Ça va vous? T'as effacé? Bah non, ça filme toujours actuellement. Non, mais t'effaces, hein, tu... Mamie qui s'inquiète pour sa vie, là. Bah non, boum, boum, non, boum, 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 boum. Ah bon, tu m'étonnes. Bah, il y a un mec qui a essayé de mettre ses parties génitales et du coup, il s'est fait bannir. Mais là, c'est lui tout seul. Là, c'est la présidente. La présidente. Brigitte, présidente. Oh, bah merde, alors. Oui. Ça t'habite, tu sonnes comme ça? Écoutez, comme chez nous on aime les saucisses, et ben je vous souhaite une bonne soirée, hein. Allez, bisous.